Muy buenas a todas y a todos. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Agradecido. Vous l'avez compris, l'émission qui essaye de promouvoir la musique qui vient d'Amérique latine, mais surtout de la péninsule ibérique. Marca la vez, las diez y las dos. Llega la noche y las diez. Et aujourd'hui, nous avons deux supergroupes, un groupe qui vient de Bruxelles, bon, Bruxelles, France, et un groupe qui vient de Grenade, donc c'est le groupe Johanna, celui qui vient de Bruxelles, et c'est Los Cuesta Abajo, celui qui vient de Grenade. Donc maintenant, on va vous laisser écouter 3 minutes le morceau de nos amis Pan de Capazo, un morceau qui s'appelle El Viaje, et après, nous venons avec Johanna et Los Cuesta Abajo. A tout de suite. Voilà, on va dire, la première chose qu'on va faire, on va dire bonjour ici aux gens qui sont autour de la table, à nos amis de Johanna. Donc, on va vous présenter Johanna. Johanna, bonjour. Bonjour Alfredo. Ça va? Que tal? Bien, bien. Manu aussi à la guitare. Manu. Et aussi Roland qui est ici un peu à l'écart, mais sois pas timide. Manu. Bonjour. Donc, bon, on vient d'écouter le morceau « Les Voyages » de nos amis de Pan de Capazo. Donc, « Les Voyages », donc « El Viaje ». Donc, un mot qui est c'est présent dans votre répertoire aussi. Hein. Donc, vous venez de sortir un EP donc, qui s'appelle « Germination oui. ». Donc, voilà, « Les Voyages », »,« Les Viajes », c'est une chose que c'est quelque chose qui est très présent dans votre EP. Oui, Johanna. C'est vrai. Bah, le voyage, c'est une source d'inspiration pour moi. Donc, dans le premier EP, on a effectivement une chanson qui s'appelle « Partir », là qui parle des rencontres, mais ça parle du voyage aussi qu'on peut vivre dans son quotidien par justement le fait qu'on rencontre des gens qui nous apportent après des réflexions, qui nous amènent aussi à nous évader aussi. Ouais. Bon, vous venez de Bruxelles, donc Johanna vient de France. Vous êtes ici à Troyes, mais vous êtes 5 en total. Oui, c'est ça. On a Kevin qui joue du cajon et du shaker. Et puis, on a également Bertrand qui nous a rejoint, qui fait de l'harmonica. Mmh. Et donc là, on est venu en trio pour des commodités logistiques. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais on va dire bonjour à nos amis de Grenade. Donc, vous savez qu'il y a nos amis de Costa Bajo qui sont à Grenade. Donc, on va leur dire bonjour. Quique, José, Los Costa Bajo, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal andamos?
Muy bien. Vale, darnos un poco de envidia, decirnos qué temperatura hace en Granada ahora, cuántos graditos. Unos Sí. veintipocos. 20 y poco, está casi en camiseta, vamos, Camiseta manga corta, vamos, sí. no. Bancas de grey, buah, bancas de grey a Granada, c'est pas mal, ils sont en t-shirt, c'est pas mal du tout, donc voilà. Mais voilà, on va continuer avec, luego venimos con vosotros, on va continuer avec le groupe Okay, Jonah bien. Artist. Donc voilà, une question que je voulais vous poser, c'est comment va les jours, les projets, votre projet du groupe, et où? Donc Johanna, Manu. Le projet va vers un deuxième EP, Oui. avec un projet de le faire cofinancer avec des fonds publics comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui encourage la chanson française. Ouais. Donc, ce qu'on n'avait pas eu sur le premier EP. En premier EP, on était sur du financement participatif Ouais. intégral, Ouais. donc autofinancé. Là, voilà, j'essaye d'aller chercher des fonds là où il y en a pour nous aider à concrétiser à nouveau une sortie d'album, donc Ouais. mini-album, mais à terme, le projet serait de faire un album. Et vous vous serez rencontrés où, ici à Bruxelles ou À Bruxelles. à On s'est Bruxelles? rencontrés par des connexions communes d'amis. En fait, je faisais de la chorale et dans ma chorale, j'ai fait une annonce parce que je voulais me remettre à prendre en charge mon répertoire musical. Et puis, on m'a mis en lien avec Manu, le guitariste. Ouais. Et puis, ça, je lui ai présenté mes morceaux et lors d'une soirée de jam chez lui. Et puis, ça a Ça bien s'est collé. passé quoi. Ok. Et puis, ben, après quelques mois, on a fait déjà quelques concerts grâce à d'autres contacts qui nous ont mis en première partie, comme Francesco Palmeri, qui nous a donné notre première chance. Et puis, après, on a cherché un bassiste, contrebassiste. Et puis, ben, il y avait Roland dans le Roland. réseau. Donc, on a invité Roland à Ah, tenter super. Ouais. avec nous. Et puis, voilà. Donc, le dernier membre qui nous a rejoint, c'est Bertrand à l'harmonica. Donc, Que je connais, ouais. voilà. On l'a rencontré lors de. Bon, l'EP est sorti en 2015, mais avant ça, il y a, vous avez quand même un bagage assez lourd dans le monde musical, donc notamment Johanna, donc en France, etc., etc. Donc Manu, je ne sais pas, mais en tout cas, Johanna, j'ai vu qu'il y avait on va dire, un passé musical assez puissant. Donc, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas arrivé tout de suite ici au niveau du monde de la musique, donc vous avez déjà un parcours derrière vous, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai fait partie d'un trio à Lille où là j'étais surtout dans un répertoire de reprises, chansons latino et chansons françaises, avec un percussionniste et une joueuse de flûte. Et j'étais à guitare-voix. Donc on a joué 1 an et demi comme ça à Lille, dans la région de Lille, autour de Paris, Amiens. Et du coup, moi, j'insérais toujours quelques-unes de mes compos dans le set. Et puis j'ai postulé à une formation d'auteur-compositeur-interprète pour laquelle j'ai été sélectionnée en 2008. Où là, moi, ça m'a mis un petit coup de confiance aussi, me dire, bah tiens, ce que je fais, c'est quand même intéressant. Donc voilà, ça m'a redonné aussi de la confiance pour continuer à écrire mes chansons et à les jouer en public. Voilà. Donc après une période de pause, je me suis installée à Bruxelles et puis bon, j'ai repris. Rencontrer les Voilà. ouais. Donc Germination, c'est un EP, donc voilà, donc mon prof de musique légère m'avait dit qu'il fallait fermer les yeux et pour trouver les influences. Donc moi je ferme les yeux, je sens beaucoup de sensibilité dans votre EP. Et bon, je sais pas un grand connaisseur de la musique française, mais moi je trouve quand même qu'il y a une influence de Cabrel, peut-être. Bah, C'est pas hein. c'est pas directement, C'est j'écoutais pas pas il y a vraiment Cabrel. ouais. Je suis allée vers sa formation parce que je la trouve intéressante. Ouais. C'est une bonne mise en réseau aussi avec d'autres artistes. Mais mes influences, moi, étaient plutôt de la chanson anglophone. Ouais. Parce que mes parents, enfin mon père surtout, avait pas mal de CD de musique plutôt anglophone. Donc plutôt les The Police. Ah ouais, carrément. Et John Baez, que j'ai découvert à Ouais. l'adolescence. Là, j'ai beaucoup aimé la chanson, les musiques folk des années 60, 70, Ouais. Et 70. maintenant, Joana parle aussi espagnol, donc on va lui poser une question en espagnol, comme ça les gens qui nous écoutent depuis la péninsule ibérique, ils vont savoir si tu es placé un peu les groupes Joana là-bas. Donc Joana, ¿cómo definirías tú a tu grupo en unas palabras, en español?
Tendrías que definir, decir cómo es tu grupo en español. Ouais. ¿Qué dirías para la gente que te está escuchando desde la península? Una oportunidad de comunicar experiencias de viaje. Viajes, y sí. De emoción. Y de emoción, sí. Bon, voilà, on va vous écouter. Vous allez jouer quel morceau maintenant? Eh bien, vu que dans notre répertoire, nous avons une chanson en espagnol, elle s'appelle Libres. Ah ouais? Nous allons l'interpréter pour vous là en ah, direct. Ah super! Mais avec vous, Johanna et leur morceau Libres. Calor viene del exterior. Es como si sería mejor sentir la impresión de existir sin ayuda de ninguna. Existir de su propia capacidad permite estar libre. He visto tantas personas que pensaban estar libres si no les serían realmente. No he dicho que es así. Hablar sin parecer el reflejo de otras personas. Vale. Bravo, bravo. Chapeau, hein. Votre espagnol, super.
On va aller côté Grenade maintenant, donc pour parler avec nos amis de Los Cuesta Abajo. Quique, José, ¿algo que decir? Pues muy bien, Juan. Yo me ha gustado mucho. En francés, la mitad bien que ya. Sí. Bueno, así entendéis, ¿no? Está bien, un buen detallazo sí, han tenido, ¿no? Detallazo, sí. Bueno, maintenant, vale, avec nos amis du groupe Los Cuesta Abajo, donc ils viennent de Grenade, donc ils viennent de sortir leur troisième album déjà, donc là, ce n'est pas mal. Donc maintenant, je vais revenir à l'espagnol. No, decía que habéis sacado vuestro tercer album, En Familia, y una pregunta obligada, vamos a decir, el proyecto este de En Familia, ¿es un proyecto en paralelo al proyecto de Los Cuesta Abajo o es una evolución del proyecto de Los Cuesta Abajo? Es decir, ¿dais carpetazo a Los Cuesta Abajo como estilo de rock o seguís con los dos proyectos al mismo tiempo? Quique, José, lo que queráis. No, en principio sí ha ido en paralelo y en principio la idea es un poco manejar un poquito los dos proyectos en paralelo. Lo que pasa es que es verdad que en la parte, digamos, rockera, pues tuvimos algunas bajas de dos integrantes, a la vez que la faceta esta, pues folk, digamos, se consolidaba. Entonces, un poquito este tercer disco era precisamente eso, revisar un poco las canciones que habíamos hecho durante los dos discos anteriores rockeros en el nuevo formato en el que estábamos trabajando. Pero sí es verdad que en el futuro, en un futuro próximo, nos gustaría retomar la parte rockera y manejar las dos cosas en paralelo. No, me dice en fait que bon, il faut savoir que Los Cuesta Abajo c'est un groupe de rock à la base, donc ici ils sont lancés dans un projet folk, donc c'est vrai que les projets folk ont pris de l'ampleur, mais bon, ils peuvent retourner au rock quand même, donc comme que la cabra siempre tira al monte, hein, o sea que... Sí, la faceta gamberra nunca se debe perder, porque sí. Es lo que nos divierte también. Eso es, o sea que es un, vamos a decir, es una evolución normal, donc el hecho de haber tocado conciertos en acústico, ahora el sacar este formato folk, es una evolución un poco normal de Los Cuesta Abajo, ¿no? Sí. Es lo que toca ahora, quizás, en la época en la que estamos, ¿no? No quiere decir que hayamos aparcado el formato rockero, pero ahora mismo quizás estamos en esta fase totalmente distinta, la verdad, un poco... Rara, la verdad. ¿Y qué van a decir vuestros seguidores rockeros con este cambio? Esa era una de nuestras dudas cuando íbamos a sacar este nuevo disco. Sí, porque, bueno, estábamos ganando seguidores, pero dudábamos si perderíamos a seguidores de la anterior etapa. Por ahora, por lo que hemos visto, se mantienen, por lo menos los más visibles, ¿no? La gente que más apoyo nos daba antes. Nos sigue dando apoyo con esto. Suponemos que hay un poco de... Son dos estilos que, digamos, se contagian el uno al otro y no están totalmente reñidos, por así decirlo. No, en familia, pero en familia numerosa, porque sois siete, de 4 a 7, o sea que me imagino para el tema de cuadrar agendas, para tomar decisiones, mucho más complicado, ¿no? Sí, mucho más. Imagínate. No sé, Joana, cómo lo llevan ellos, que... Pero nosotros lo llevamos fatal, vamos, ¿no? El tema de... Cada ensayo es una asamblea, prácticamente. Non, mais en fait, donc en fait, bon, ils avaient un peu peur le fait de passer du rock au folk parce qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre des fans. Donc, non, ça se maintient. Et apparemment, maintenant, le rock là-bas en Espagne, donc c'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont lancés vers un projet plutôt folk. Donc voilà. ¿Qué canción nos vais a tocar? Porque vais a tocar una canción, ¿no? O varias canciones. ¿Qué canción vais a tocar? Teníamos pensado tocar tres, no sé... A ver si nos da tiempo. Vamos a darle un poco de tralla. ¿Qué canción podéis tocar ahora? Vamos a tocar No es para llorar. No es para llorar. Que abría este disco de En Familia. Me vola. On va a écouter Los Cuesta Abajo, El Hormoso, No es para llorar. Cuando queráis. Que algo bello se apaga, tan solo cambia de color. Y si encuentras más de dos razones para seguir, caminarás.
Ahora ya vemos lo que antes se ocultaba detrás del brillo del sol. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. A veces el camino se equivoca de rumbo un segundo antes de aparecer. Pero es falso cuanto habita en la trampa del destino. Nada está escrito, tan solo importas tú. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. Aunque te encuentre cada vez más lejana, tan solo es un cambio de visión. El cuerpo que ahora espero se parece a ti en el fondo, más en el fondo ya no, ya estoy aquí. Así que no será que tengas libertad lo que me haga perderte, sino el paso del tiempo que nos hace amarnos no menos, sino solo diferente. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar. ¡Bravo! ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Aquí están aplaudiendo! ¡Aquí están aplaudiendo! ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, Jona? ¿Qué te parece? Ah, me parece muy bien. ¿Manu? ¿Manu? Voilà, donc, voilà, c'est fait, la tournée ici en Belgique, c'est préparé, hein, donc, bon, on revient avec Johanna, donc, bon, votre EP a vu les jours grâce à un financement participatif. Oui. Je voudrais vous demander comment les jours à jour d'un groupe qui essaye de faire son petit chemin dans le monde de la musique ici en Belgique, Johanna. C'est compliqué, hein? Eh bien, il faut être passionné, motivé, avoir du temps et se renseigner énormément, en fait, hein, parce que j'y connais pas grand-chose, donc j'y vais à tâtons. Et ouais. J'ai pas une détermination non plus de feu, je le fais parce que ça me plaît. Quand il y a une proposition, j'aime sauter sur l'occasion. Mais je me rends compte qu'aussi, il faut chercher l'information pour trouver des dates. Ouais, puis relancer les gens, ouais. Et parce qu'il y a du monde aussi sur le marché. Ah ouais, la concurrence, quoi. Donc voilà. Subventions, Artevie, donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Mais malgré que c'est très compliqué, et malgré que la rentrée dans les festivals est hyper compliquée, parce qu'il y a toujours les mêmes têtes d'affiches qui sont là, boum, cette année-ci, vous avez joué à Esperanza. Au village des possibles. Ouais. C'est super pour vous. Ouais, là, sachant que vous êtes super engagés. Donc, en tout cas, Manu et Roland, je ne les connais pas. Mais en tout cas, Johanna est fort engagée. Donc, voilà, c'est super, non? Ah, pour moi, c'était la date où j'avais très envie d'être, c'était Esperanza. Et notamment, en plus, au village des possibles, ouais. Où je suis bénévole depuis deux ans, hein, ouais. Pour l'association Worms, ouais. Qui fait la promotion de compostage, valorisation des déchets organiques. Mmh. Donc voilà, oui, c'était une belle opportunité d'y jouer deux fois. Donc on était là en quintette,
cet été, quoi. Et une question que je voulais vous demander, dans vos chansons, vous préférez passer un message, bon, tu es faux engagé, tu viens de le dire, tu préfères passer un message explicite, donc un message engagé, ou tu préfères laisser un message plutôt libre, donc il y a des groupes qui préfèrent carrément y aller, il y a des autres groupes qui préfèrent voilà, laisser un message, et que chacun interprète le message comme il veut, quoi, donc... Moi, c'est plutôt, je préfère évoquer, inviter les gens déjà à réfléchir, quoi. Et puis, oui, c'est ça, à ouvrir leur esprit plutôt que d'aller dans une lutte. Enfin, j'arrive pas à écrire en ayant des messages clairs donnés. C'est pas ouais. mon créneau. Ouais. Mais moi, une fois, il y avait interviewé un groupe qui me disait qu'il s'essayait. C'était chouette comme réponse. Il s'essayait de réveiller l'esprit critique, quoi. Donc, c'était ouais. bien, quoi. Donc. Mais ça, il en faut, hein. Et... Ouais. Tout à fait. C'est que moi, dans l'écriture, j'y suis pas... Ouais. Non, je ça connecte pas. Enfin, j'ai des textes, hein. J'ai des textes où c'est bien plus... voilà, offensif et avec les paroles qui sont moins poétiques, justement. Ouais. Mais je... Ouais, mais je m'y retrouve pas. Ça, c'est très bien comme ça. Donc, voilà. Maintenant, vous allez jouer quoi, en fait? Comment... Hiver, peut-être, non? Ah, bah ouais, du coup, alors... Quand vous voulez, hein, c'est... Oui, parce que maintenant, avec le temps qu'on a ici, voilà, c'est pas Grenade, hein, ici, il pleut. Aquí llueve, no es Granada, no estamos a 20 y pico grados. Aquí no llueve desde hace mucho tiempo. Pues os pasamos un poco de lluvia, si queréis, ¿eh? Sí, sí, pues la verdad es que lo agradeceríamos, sí. Mais voilà, yo voulais saber que Johanna, el morceau, hiver, invierno. Allez. Thank you.
Bon, on va retourner direction Grenade au 23 degrés. Applaudent también, hein. Ils applaudissent. Hein. Donc, bon, on va aller avec vous. Vamos con vosotros. Donc, los Cuesta Abajo, más en familia que nunca. Donc, pasando de las casas de disco, todo supervisado por la cabra Rigoberta, ¿no? Sí. Que, José, las casas de disco quedan un poco atrás, ¿no? Sí, bueno, fue una época en la que queríamos, pues, tentar un poco esa tecla del mercado, de cómo funcionaba, pero quizás no hemos dado cuenta de que la mejor forma o la mejor forma que tenemos nosotros de llevar nuestros proyectos es lo más autónomo posible, es decir, desvincularte totalmente, subir a la red lo que quieras sin que te estén exigiendo continuamente derechos de autor que ni siquiera sabes dónde van a parar, sí, o sí, sí. Quién los gestiona. O sea, sí. No, pero en fait, eux, avant, ils avaient une maison de disques, donc ils recevaient leur album. Mais maintenant, ils se sont rendus compte que ce n'est pas viable, donc, parce que bon, ils promettaient de recevoir des droits d'auteur que, pour finir, ils ne touchaient jamais. Donc, ils sont revenus à l'autogestion pure et dure, donc, et comme ça, ça va très bien. Donc, bon, que vous apporte le fait de tocar en acústico, en ce format folk? Bueno, he visto que tenéis un montón de bolos, os da, yo creo que, mucha más movilidad, ¿no? No es lo mismo contratar a un grupo de rock que a un grupo de folk, igual requiere menos, aunque sois siete también, ¿eh? No sé, ¿qué os aporta el hecho de tocar en ese nuevo formato? Sí, es lo que tú, lo has dicho tú, vamos, has dado la tecla. Mm. Supongo que aunque somos muchos, es verdad que el tema de la sonorización podemos tocar en muchos más sitios. Otra cosa, es mucho más cómodo, la verdad, para que te contraten, para que puedas tocar en sitio donde a lo mejor una batería, sobre todo, pues no, o los amplificadores no tienen sitio. En cambio, aquí, tanto con micros como sin micros, puede llegar a tocar. Non, mais en fait, donc, le fait de passer sur un format acoustique, donc eux qui viennent du monde du rock, pour eux c'est beaucoup plus simple parce qu'au niveau des programmateurs, c'est plus facile de les contrater. Donc, parce que, bon, comme il disait, il ne faut pas peut-être des micros, donc soit avec des micros, soit sans micros, ils n'arrivent pas à toucher. Et voilà, une des raisons de passer sur un format folk, c'est plutôt ça, d'arriver à toucher plus de monde et surtout d'arriver à jouer dans plus de salles, donc avec moins de logistique, donc voilà quoi. No, lo que decía, en este último trabajo en familia habéis retocado un poco los temas de vuestro anterior trabajo, Vueltas. Estáis preparando vuestro disco ahora, pero ya estáis trabajando en nuevos temas, ¿no? Ya José me ha comentado por ahí, no sé qué. Que sí, ya hay... Daniel, tenemos ya bastante ahí en la recámara. Bueno, lo único que nos impide enseñarlo al público es. Bueno, meterte en el estudio para grabar. Claro. Es la única pega. Tenemos muchos temas que los sacamos en el local de ensayo y que van saliendo mucho, además, ¿no? Que tenemos mucho la recámara ahí que enseñar. Non, mais en fait, dans leur dernier album En Famille, donc En Familia, donc ils ont retouché les chansons qu'ils avaient enregistrées dans leur album précédent. Donc voilà. Et maintenant, ils sont déjà en train de travailler dans leur nouveau morceau, que bon, il suffit d'aller au studio et les enregistrer, mais bon, apparemment, tout est prêt. Pues nada, artistas, cuando queráis, os dejamos con... ¿Qué vais a tocar? Pues vamos a tocar una de las canciones de las nuevas que no están en el disco En Familia, a ver si os gusta. Vale, une chanson en exclusivité, pour agradecido. ¿Cómo se llama? Pregunta al sol. Pregunta al sol, demande au soleil, Cuesta Abajo. Casi al final encontré un trozo de luz. Casi al final del fin. La multitud, la fiesta acabó. Si quieres la paz, pregúntale al sol, él te dirá quizás.
aire a mi alrededor, y entre negros y miel el lago crujió. Si quieres saber, pregúntale al sol. El sol me dijo que podría renunciar con facilidad a la muerte o a la gloria del dolor. Que solo eran cuentos para dormir, y hoy quiero soñar bajo esta luz, bajo esta paz, no tener que elegir el color de la pared, y no tener que vencer la vida a cambio de papel. Pregúntale al sol, bravo. Bravo, bravo. Muy buena, muy buena, muy buena. Yo también voy a aplaudir, que no se diga. Muy buenas artistas. Bon, on retourne avec Johanna et son groupe. Donc, bon, je sais bien que vous avez l'intention de participer au Conseil de la musique en 2017, non? J'ai vu quelque chose. Oui, tout à fait, le festival francophone. Oui, c'est ça. Donc, mais bon, avant, je suppose qu'on peut vous voir quelque part. Donc, vous avez quelques dates à annoncer ou... Non, pas immédiatement. On recherche des dates actuellement. Il y aura certainement une date au Marol dans les mois à venir. Et sinon, la prochaine date confirmée, c'est le 5 mai à Paris. Ok. À la maison de l'enseignement. Ok.
Okay. La maison des ensembles, pardon. Ok. Est-ce que où on peut acheter votre album si les gens souhaitent vous aider? Donc il y a un site web, oui, Facebook ou... Voilà, bah c'est donc www.johanna, ouais. J-O-H-A-N-A. Oui, simple. Voilà. Ouais. Point be. Ouais. Et donc là il y a un onglet shop boutique. Mmh. Et donc de là on peut commander le P. Ouais. Germination. Si jamais aussi les gens habitent à Bruxelles ou viennent à Bruxelles, ils peuvent contacter via le formulaire de contact sur le site internet, le okay. même site. Okay. Et on peut dans ces cas-là se rencontrer pour que je redonne le CD. Ok, aussi. Ok. Et maintenant, à vous trois, donc Manu, Johanna, Roland, bon, je vous laisse les micros ouverts si vous voulez passer un message aux auditeurs d'Agradecido qui vous écoutent depuis Namur, la Belgique, ou depuis la péninsule ibérique. Si vous souhaitez dire quelque chose, un message que vous souhaitez passer, je ne sais pas. Hein. Si tu veux dire quelque chose, tu veux dire quelque chose aux auditeurs, ouais. Voici. Hein. J'ai envie de leur dire qu'on ne lâche rien. On ne lâche rien dans nos luttes pour préserver les droits qu'on a pu acquérir jusqu'à présent et continuer de lutter pour en avoir d'autres. Que ce soit donc pour les travailleurs, mais voilà. Travailleurs dans les usines, les travailleurs artistes, les... dans ouais. tous les milieux. Et puis défendre aussi notre planète et l'environnement. Ouais. Ouais. 100% voilà. D'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Et pour finir, vous allez jouer quel morceau, Johanna, Manu? On avait pensé à partir. À partir. Pour finir, justement. Ok, c'est pas tout à fait fini, mais bon, bref. Ah okay, bon, ça d'accord. Va. Bah, la chanson s'appelle Partir. Voilà, ouais. Johanna et leur morceau Partir.
et à tout ce qui a besoin d'être englouti, patiné de mes mains. La lluvia, mandale un poquito de la voix de... Sí, por favor. Ah, oui. Ils nous disent, nos amis de Grenade, quand on va envoyer la pluie, il faut envoyer un peu de la voix de Johanna aussi à Grenade, parce que apparemment... donc, pas de souci, no hay problema. Intentaremos. Intentaremos. Un poquito de agua de que ella debe. Voy a discutir con el cielo. Bon, on retourne direction Grenade. Donc, José, Quique, ya tenéis experiencia en ganar concursos, ya habéis ganado varios concursos. Ahora, bueno, habéis llegado a semifinales del tercer certamen Forum Music. No sé si habéis parado ahí o vais a la final, no sé, yo no sé. ¿Cuáles son vuestras próximas fechas y vuestros próximos proyectos? Quique, José. Pues todavía no sabemos si pasaremos a la final, porque este viernes tienen la segunda tanda de semifinales. Y el próximo concierto pues lo tenemos el 5 de noviembre en el Ruido Rosa, en un bar mítico de indie y de rock de aquí de Granada, en un homenaje a una persona que falleció el año pasado, y allí vamos a estar pues rodeados de muchos amigos. Esperamos también alguna visita ilustre de alguna figura del indie y del rock de aquí de Granada, pero en cualquier caso estaba muy contento, la verdad, de tocar allí en el Ruido Rosa, que es un sitio muy, muy chulo. Ok. Donc, non, ils viennent, donc ils sont dans les cours d'un concours, donc ils sont arrivés en demi-finale, donc ils ont gagné déjà plusieurs concours, donc ils ne savent pas s'ils vont passer à la finale, mais bon, en tout cas, bon, ils le sont, je suis confiant, donc pour eux en tout cas. Et ici, prochainement, ils vont jouer dans un festival pour rendre hommage à une personne qui est décédée, donc dans un lieu emblématique de l'Indie, donc voilà. Donc, je voulais demander la même chose que nous avons demandé à nos amis de Joan. ¿Dónde se puede comprar vuestro disco, vuestra cerveza, Quique, José? Sí, pues todo se puede comprar online a través de una tienda online que se llama Universo La Maga, y bueno, tendrían nada más que teclear en la barra de la dirección www.universolamaga.com /tienda, y allí encontrarán una sección de... que sería de cuesta abajo, de nuestros productos, de la camiseta, la cerveza Rigoberta, nuestro disco, por supuesto, y todo junto. No, me lo puedo acheter, donc il a dit Universo La Maga, c'est ça, hein? Universo La Maga, / tienda, et là vous pouvez trouver tous les albums de Los Cuesta Abajo, Los Bier, Rigoberta, etc. Donc José, Quique, donc como he dicho, no, estaba hablando en francés, pero ahora voy a hablar en español, que aquí me entendéis. No, lo que les he comentado a mis amigos de Joana, un mensaje que queréis pasar a la gente que os está escuchando aquí en Bélgica y ahí en Granada o en la península o en América Latina, ¿qué queréis decir? Bueno, pues bueno, a las personas que nos estén escuchando en Bélgica, la verdad, pues decirles que tenemos muchas ganas de venir, de conocer Bélgica, de ir allí, que nos vean en directo, porque viajamos poco. John está apuntando ahí a las fechas. Y también para conocer a Johanna y que nos enseñe. Me encantaría compartir escenario. Sí.
Y bueno, en general a la gente que nos está escuchando, pues la verdad, agradecer el apoyo pues que casi diariamente pues tenemos en redes sociales, en los conciertos. La verdad es que es un lujo, como dijimos el otro día. No somos la mejor banda, pero sí la que tiene el mejor público. Ya, es bonito eso, bonito. No, me en fait, yo quiero remercier a todos los fans, donc ils disent qu'ils sont pas la meilleure bande, mais en tout cas, c'est la bande qui a les meilleurs supporters, donc les fans, donc ils sont très fiers de ça. Et voilà, donc ils souhaitent aussi vous connaître, donc le groupe Johanna, donc voilà, donc bah, c'est réciproque, hein. Voilà. Aquí decían lo mismo, o sea que habrá que cuadrar la agenda. Si somos estamos listos para venir a compartir, ¿no?, música con o para que ellos vayan a Granada. Yo también me incrusto allí y voy a Granada también, o sea que si eso no hay problema. Y si venís por aquí, alojamiento tenéis, o sea que eso no hay problema. Bueno, José, Quique, ¿qué canción vais a tocar? Pues vamos a cantar otra canción nueva de que no está en el disco. Nosotros queremos ya convenceros para el siguiente. Que se llama Trampa para arañas. Trampa para arañas. Okay. Trampa para arañas. Ok. Pies pour des araignées, quoi. Voilà. Donc ça s'appelle. Estaban con arcadas y encado hasta el del litoral de tus pecados desfichados. Y esperé bien quietecito como un zombi adiestrado. Y después de soportar las picaduras en la espalda, me decidió a inventar una trampa para arañas. No te podrás escapar de mi trampa para arañas. No podrás escapar. ¡Bravo! ¡Cracks!
Muy buena. Bueno, vamos un poco pillados de tiempo. Muchas gracias, José, Quique, pero los cuesta abajo son muchas más gente, donde Micael, Ismael, Javi, Ángel, donde son los cuesta abajo. Muchas gracias desde aquí, desde Bélgica. Hasta muy pronto, ¿eh? Seguimos en contacto, cracks. Pronto. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas ¿Queréis gracias. Decir algo, Joana? ¿Tú puedes decir algo? Sí, que sigue tocar así, que la música folk le va muy bien. Te os va muy bien. Ya me veo en Granada. Joana, Roland, Manu, merci beaucoup pour être venu ici. Merci aussi à toi, donc, Alfredo. Vachement, c'était super chouette. Et maintenant, on va vous laisser, donc on va vous quitter avec un morceau justement de nos amis Los Cuesta Abajo, le morceau raro, parce qu'il y a Isa qui vient, donc c'est une fin, il va nous mettre à la porte directement. Donc je vous laisse avec Los Cuesta Abajo et le morceau raro. Nos vemos dentro de 15 días. A dan 15 jours. Portez-vous bien. Chao. Vestirme como el viento y no he sabido sentirme libre al volar. Si me niego a sonreírte es porque duelen tus prisas. Son cristales al tragar. Pero tengo tres estrellas, dos viven siempre en tus ojos, una me enseñó a escapar. Queda un hueco, lo guardo pa' tu cansancio de estar todo el día pa' allá. Pero no sé qué me pasa, que hasta tu silencio espera que abrace tu libertad.